Good morgen, allez, dans l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Mourvi Rabbi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Nahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Menachot, Perek Chet, Mishnah Aleph. Kol Korbanot Hatzibur Vayachid, Baim, Mina Aretz, ou Mechutza Laretz, Mina Chadash, ou Mina Yasham, Chutz Mina Omer, ou Shtalechem, Shenan Baim, Ela, Mina Chadash, ou Mina Aretz. וכולן אינן באים אלא מן המובחר, ואיזה הוא מובחר, מכמס ומזוניחה, אלפה לסולת. שנייה להם, חפה רעים בבקעה. כל הארצות היו כשרות, אלא מכאן היו מביאים. On commence tout de suite à traduire, c'est une Mishnah relativement simple, il y a plein de choses qui se passent entre les lignes, on va d'abord commencer par traduire le texte, expliquer de quoi ça parle. כל קורבנות הציבור והיחיד, tous les sacrifices publics comme individuel, ba'im min ha'aretz ou mechutza la'aretz. Tu peux les apporter de la production d'Israël, des retz Israël, de la terre d'Israël, ou mechutza la'aretz, ou bien de même de l'extérieur d'Israël. Si tu veux apporter une oblation de blé qui provient de Syrie, du Liban, d'Égypte, eh ben vas-y, apporte-le, il n'y a pas de problème. Min ha'chadash ou min ha'yashan, de la nouvelle récolte, comme de l'ancienne récolte. Ouais. Année 78 passée, 5178, ou bien même de 76, 74, 13, 12, pas 75 parce que c'était l'âge 8, je crois. Et Chutz min ha'omer ou jeté alechem. Avec deux exceptions, le korban ha'omer et les deux pains de Shavuot, qui sont des minchat bikurim, chacun à sa manière, she'enan ba'im ela min echadash ou min ha'aretz. Que pour ces deux oblations-là, pour ces deux mitzvot à faire, pour le Corban à Omer, donc le deuxième jour de Pessah, le 16 Nissan, avec l'orge, et celle de Shavuot, on fait les deux grands pains, Chametz de Shavuot, eux, Enan Baim, Ela, Mina Chadash ou Mina Aretz, ils ne peuvent provenir que de la nouvelle récolte, ou Mina Aretz et de la terre d'Israël. On explique très rapidement. Le principe d'abord, il est très simple, d'accord? Tu peux apporter, quand tu veux faire un korban, alors c'est là où il y a un petit problème, parce que on dit le mot korban, on va expliquer que c'est pas exactement tous les korbanotes, parce que sinon, il y a un problème. Mais pour le moment, on va parler des oblations. Tu veux apporter une oblation, tu peux même apporter ta farine de France, quand tu es en Israël, tu la mets dans ta valise, tu l'apportes, ton blé, tu l'apportes ici, tu vas fabriquer ton solette, ta semoule, et tu vas aller apporter ton oblation avec au Beth Amikdash. Il n'y a pas de problème, presque pas de problème, et même si ça provient des années antécédentes, il n'y a aucun problème, on ne va pas dire que c'est du trop vieux, c'est du trop récent, tout est permis. Une petite précision quand même importante, c'est apporté dans le Tiferet Israël, je ne sais pas d'où il a pris ça, est-ce qu'il a tout seul calculé ça, ou bien est-ce qu'il a lu, je ne sais pas. En tout cas, un problème technique, c'est que le Chutz La'aretz, l'extérieur d'Israël, Ramim ont décrété une impureté, Tumat Eretz Ramim. Donc il y a un problème technique, c'est que je me dis que tu vas apporter du blé de Chutz La'aretz, de la diaspora, de France par exemple, mais le blé en France, il est impur, parce que la terre de France, elle est impure, parce que toute la terre de Chutz La'aretz, elle est impure. Ouais. Et sur ça, la solution, en fait, il y a une solution très simple, c'est de dire que tu vas prendre le blé sans le mouiller. Il va rester sec, et on a une grande règle pour tous les aliments, que tant que tu ne les mouilles pas, ils ne véhiculent pas d'impureté. Donc tu prends le blé sec, tu l'apportes en Israël, et ici tu vas pouvoir le mouiller si tu veux dans la pureté comme il faut, et dans ce cas-là tu peux apporter une oblation, et même si c'est de la tvoua ancienne. J'ai insisté sur, quand j'ai dit quoi la korbanot, tous les sacrifices, on parle sûrement pas de sacrifices, on parle que d'oblation, parce que si on parle des sacrifices, on a un problème. Il y a une Mishnah Meforeshet explicite qui se trouve dans Maserhet, je sais plus, ça rapporté dans Baba Kama, Yudzayin, je crois, non, Yuddalet, Yudgimel. Et là-bas, c'est explicite, en tout cas, voilà, c'est rapporté, excusez-moi, dans Tumura, Mishnah dans Tumura, sauf Perek Gimel de Tumura, qui me dit que le Bechor et le Maaser, il y a deux corbanotes que tu ne peux pas apporter de Chutz La'aretz. Tu es dispensé de les apporter de Chutz La'aretz. Bechor, le premier-né des vaches, moutons, chèvres, il y a une mitzvah d'apporter le Bechor, on lui donne au Kohanim. Et le Maaser Behema, le dixième de tes troupeaux qui sont nés cette année-là, tu dois prendre aussi le dixième, et de ça, on ne les apporte pas de Chutz La'aretz. De ce fait, suite à ça, tout ce que tu me rapportes,
que lorsque tu lis la Mishnah qui te dit Kol Korbanot Tzibur Yachid, de tous les sacrifices, on ne parle pas de sacrifices parce que sinon on a un problème. Pourquoi la Mishnah ne peut pas exclure explicitement de ne pas apporter les Bechorot et le Maaser? Donc il veut dire qu'on parle des oblations. Ok, on a présenté l'essentiel. Donc toutes les oblations, tu peux les apporter avec deux exceptions qui sont le Korban Homer et les deux pains. Ces deux principes très simples. Le Korban Homer, ça va être presque la même mitzvah. Une, c'est avec l'orge et l'autre, c'est avec le blé. C'est pour permettre justement la nouvelle récolte. Il y a deux étapes. À Pessah, deuxième jour de Pessah, quand on commence à apporter le Korban Homer, à partir de ce deuxième jour de Pessah, on va pouvoir commencer à consommer la nouvelle récolte. Vous savez que la nouvelle récolte, quand elle va pousser maintenant pendant l'hiver et qu'on va l'accueillir ensuite, des cinq céréales spécialement, on va ensuite la récolter, et ben on n'aura pas le droit de la manger. On n'a pas le droit de la manger jusqu'à que passe le deuxième jour de Pessah, même à notre époque. Le Hadash, et même aussi en Chutz La'aretz, il faut faire attention au Hadash. Il y en a même qui pensent que ça sort mina Torah de Chutz La'aretz. En général, dans nos pays, c'est pas fréquent parce que le blé, de toute façon, on commence à le récolter et ensuite il est prêt, empaqueté en farine dans les rayons que après Pessah, bien après Pessah, plus vers Shavuot en général. Donc on est presque jamais confronté. Mais il faut savoir qu'il y a des endroits où on est confronté. En l'occurrence, par exemple, je crois qu'il y avait le problème qui se posait en Russie. Et en Amérique, je ne sais pas exactement comment ça se passe, le problème est fréquent, mais il y a surtout dans l'hémisphère sud, tout est décalé là-bas. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec de nouvelles récoltes qui ont poussé justement en été, qu'on a récolté en fin d'été, puisque c'est tout inversé. Et il s'avère que ces récoltes, on ne peut pas les consommer jusqu'à que passe le Pessah d'après. Je vous dis juste, si vous partez en vacances là-bas, demandez à un rave local comment ça se passe, est-ce qu'ils sont confrontés avec le problème de Hadash. C'est un interdit de Hadash, la nouvelle récolte. Je ferme la parenthèse et je reviens. On a la nouvelle récolte interdite de consommer. À l'époque du Beth Amikdash, pour pouvoir permettre la consommation à cette nouvelle récolte, il fallait d'abord prendre un petit peu de l'orge de la nouvelle récolte et faire le Korban à Homer, le sacrifice du Homer. Ensuite, pendant les 49 jours du Homer, on pouvait nous consommer la nouvelle récolte, mais on n'avait pas le droit encore d'apporter les nouvelles récoltes au Beth Amikdash pour faire les oblations, jusqu'à qu'arrive Shavuot, qu'on fasse l'oblation avec de nouveau la Minchat Hadasha au Bikuri Ketzir Chitim, ça s'appelle Minchat Bikurim, une oblation des prémices. Là, on va porter justement ce blé-là, on va faire des pains, et dès lors, on va pouvoir permettre maintenant même au Beth Amikdash d'apporter les nouvelles récoltes. De là ensuite, on commençait la mitzvah des Bikurim, c'est un peu lié, indirectement. Voilà, d'accord. Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, Vekulan Enan Baim Elam Yamu Frav, à part ça, tout ce que tu vas apporter, tu devras l'apporter du meilleur. Kol chelev Hashem, un pasuk qui me dit, il n'est pas rapporté ici, mais en tout cas, c'est fréquent. Kol mivchar nidrechem, il rapporte le Tosfot Tov. Tous les meilleurs, le meilleur, toujours le meilleur pour Hashem, c'est normal. Donc tu dois apporter que de ce qu'il y a de meilleure qualité. Et la Mishnah me dit, Vezeu mouvchar, qu'est-ce qui est la meilleure qualité justement? Alors la Mishnah me rapporte deux endroits qui s'appellent Michmas ve Uzonicha ou Mezonicha. Regardez, dans la Mishnah, on dit Umzonicha, et quand on lit dans le Barthénois, il y a marqué, on dit pour montrer Michmas Vezonicha. En tout cas, c'est deux noms de villes où là-bas, il y avait le Alpha la Solette, la Soug Aleph, Alpha la, comme en grec, le Soug A, sorte A, le tip-top de la Solette, de la semoule. Shni Alaem, juste après, en deuxième choix, venait le Chafaraim Babik'a, qui est un endroit, un lieu, Chafaraim, qui se trouve dans la vallée. Parce qu'en fait, il y avait deux Chafaraim, une qui était dans la vallée et une qui était ailleurs. Et donc, on t'a précisé Chafaraim qui se trouve dans la Babik'a. Maintenant, Mishnah continue en me disant, attention, Kol Haratzot Hayu Ksherot, toutes les terres, en réalité, de n'importe quel endroit, tu peux apporter, et ce sera kasher pour faire une oblation. Mais, et là, Mikan, Hayoum et Veim, seulement l'usage il était de prendre là-bas, parce qu'il y avait naturellement une belle qualité de blé. Une petite remarque très importante, très jolie même, du Tiferet Israël, qui me dit que. Ah, qui me précise quelque chose d'important. C'est vrai que je t'ai donné des endroits d'où apporter le blé pour en faire les solettes. Mais ça ne se rapporte pas au Korban, à Omer et à Bikurim, que cela, il fallait spécialement les apporter dans l'endroit qui était plus proche de Yerushalayim, même si la qualité, elle était moins bonne. D'accord ? Il y a Fchar chez Ekarvo, Rak, Minamekurav, Yerushalayim, Afilou Garoua, comme ça, il nous rapporte. Ce sera plus explicite, en fait,
dans le Perek Yud, dans le dixième Perek de Menachot. Nous allons nous revoir, donc il met en corrélation les deux, pour nous préciser que là, on parle de toutes les Menachot, mais pas de la Minchat HaOmer et des Bikurim, et de Bikurim de Shavuot. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sacha Kol Tov, c'est là.